blessé. Tout le monde a fouffé. Moun ni la voix. Moun bédé. Moun qui yo bandi mette de yo la kayo. N'apten yo tout nan aéroport international là pour nous recevoir. Sénateur Guy Philippe. En chair et en os. Moun vini. La vini. La vini continue la bataille. 7 septembre. Vous parlez de 7 septembre. C'est Anessa. Anessa. Très bientôt. Je dis là, nous n'avons pas de semaine ça là. Jouji Moustoua. Guy Philippe a rentré dans le pays. Non, Guy Philippe a rentré. Un, non seulement l'a rentré. L'a rentré. Pour venir réclamer l'argent 6 ans là que l'État haïtien doit là. Et deux, pour venir battre pour peuple redans, pour peuple sud là, pour peuple centre là, pour peuple nord. Et ceci, pour peuple grand l'ouest là, que je dis là, nous sommes bandits, occupés 75% dans le territoire là. Et tout le monde connaît que c'est parce que, et pas parce que la police fait un travail. Tout le monde connaît la police est une force légale de lui. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont des monopoles bataille. Mais cependant, le fait que l'autorité replace ne pas parler de l'homme ou elle ne veut pas agir. On peut constater, monsieur. Gardez côté quartier général et FADH là. Est-ce que nous, les militaires, osez prêter le petit doigt et m'a dit nous ça. Si nous pas accepter Goumé en groupe, nous avons une bague. Merci. Maintenant, monsieur, mais quelles sont les informations que vous avez faites depuis que le sénateur est entré dans le pays d'Haïti? DCPJ a posé la patte sur lui parce qu'il y a des plaintes qui étaient déjà déposées contre le pays. Écoute, nous autres avocats, nous ne sommes pas des imbéciles. C'est soit une science, avocat, pas qu'Haïti, c'est science des imbéciles. Nous ne sommes pas pour soi-disant journalistes qui ne doivent pas lire. Écoute, tout ça, la loi dit nouvelle. Pas oublier, nous disons nous détenteurs d'un certificat de tribunal première instance de Port-au-Prince. Nous détenteurs d'un certificat émané de tribunal première instance, Gredos. Nous sommes sud. Nous sommes nid dans nous. Et nous avons écrit de CPJ. Et je dis au plus tard, certificat de CPJ dans nous. Donc, comment tu as dit que tu as une plainte qui est déposée contre le sénateur? Plainte est déposée puis tu es arrivé à l'élection, lui élu, lui entré en fonction pour te plaindre ça au passé. Ça passe, on a toujours demandé l'État pour les citoyens sénateurs ensemble des corps mandalants. C'est un dossier que nous te plaidons contradictoirement au niveau couche des comptes et du contexte administratif. C'est Maître Sinifère Juste et nous autres, Maître Lucien Jean-Joseph. Nous te plaidons dossier jusqu'à présent, nous déposer pièces parce que c'était lecture différentes mémoires qui étaient déposées. Malgré que l'État, via la DGI, à chaque fois qu'on a échangé l'écriture, il n'y a pas échangé avec nous. Mais nous avons seulement déposé le dossier, mais nous avons une mémoire supplétive. Donc nous attendons jusqu'à présent le verdict final. Parce que nous toujours dit la défaite du droit. Et comme nous te dit souvent, d'ailleurs nous autres, nous sommes très tenaces. Pendant 6 ans, nous avons goûté avec le sénateur Guy Philippe. D'ailleurs, nous toujours dit la défaite du droit est provisoire. Ou si tu es dans deux mondes qui n'ont pas cru dans la libération sénateur, la forme de que je ne peux pas parler d'éthique professionnelle, ou dire aux gens sans éthique professionnelle, il faut que ce soit un monde qui apprenne des bagailles. Mais deux mondes sont sortis, ils ne peuvent pas apprendre rien. C'est juste dans un petit chambre, et puis dans une petite caméra, et puis à voir et monter. Je vais éterniser ce genre de monde. Je ne vais pas parler de l'équipe importante. Songez bien que je me dis, nous avons pile de monde jusqu'à présent qui connaît que le sénateur Guy Philippe était interpellé pour question de drogue. Et nous t'es toujours dit. Sénateur Guy Philippe, pas de jambes interpellé pour question de drogue. Songez bien que, il y a des gens qui disent que Haïti a signé un accord avec, sous préval avec Mme Albright en 1997 pour te permettre étrangers d'entrer sous sol pour venir prendre Haïtien, nous-mêmes nous disons non. Et nous voyons nous regarder dans le moniteur numéro 59, accord qui a signé entre René Garcia Préval, le regret de mémoire, et Mme Albright en 1997, dit que. Pour aider Haïti à contre les trafiquants de drogue, les États-Unis ont intervenu seulement en mer. Et pas de jambes de question pour nous entrer sous sol là pour venir prendre un Haïtien. Or, article 276 Constitution dit automatiquement que un pays a signé un traité, un accord, une convention qui place au-dessus de la constitution nulle et de non-avenir. L'un des plus bas, dans l'article 8, on dit ça que aucun haïtien pas qu'à déporter, ça dit pour forcer le quitter pays pour aucun motif que ce soit. Donc nous, sénateur Guy Philippe, c'est ton sénateur en fonction au regard de l'article 95
de constitution qui était faite de sénateur en sénateur, élu et entré en fonction. Nous voyons que les gens ont une guerre à peine et puis ils ont enlevé le sénateur et emprisonné aux États-Unis. Mais arrivé aux États-Unis, là on dit que nous allons juger pour question de drogue, le sénateur a dit pas de problème, c'est pour drogue nous aller. Là nous allons, et imaginez qu'on a dit que drogue n'a pas qu'à le sénateur nous allons juger pour blanchiment des avoirs. Sous qui ça sous un prétexte que tu as un certain Sony Désir qui t'est transféré de la Sogebank via First Union Bank aux États-Unis. Qui dit que lui était transféré 100 000 dollars américains sous compte sénateur Guy Philippe. Or, dans son Sogebank, à partir de 10 000 dollars, où je dois supposément de propre dans ce fonds, c'est pour l'une des raisons que tout n'a signé la Sogebank. Parce que, pour Sogebank, dis-nous, qui l'heure, qui jour, qui date que vous êtes transféré 100 000 dollars américains sous compte sénateur Guy Philippe de la Sogebank via First Union Bank. Là, on dit que vous allez juger pour blanchiment. D'ailleurs, pour blanchiment, pour condamner le blanchiment des avoirs, vous pouvez faire.